Bon, eh ben, je n'avais pas prévu de le faire celui-là ce soir, je ne l'ai pas annoncé. Et puis, ben voilà, en rentrant, je me suis dit, allez, il y a le live ce soir normalement. Bon, voilà, donc j'ai rien prévu, je n'ai pas d'invité. Je pense que ça va être relativement court. Alors, bien sûr, je dirais comment dire, le but ici, c'est de ne jamais rien préparer, de faire ça de façon complètement spontanée et de répondre directement à vos questions. Je vais commencer par. Salut Fabienne. Bonjour. Je vais commencer par vous dire que j'ai vu Avatar, Avatar 2, La Voix de l'eau, et que ben voilà, il faut courir le voir si c'est pas déjà fait. C'est un grand film, voilà, une hymne en fait à la une hymne à la nature. C'est un chef-d'œuvre de propagande écolo, au bon sens du terme, dans le bon sens du terme, de propagande écologiste. C'est fantastique. Du côté technique, James Cameron nous en a mis pour 10 ans d'avance là, donc voilà. Voilà, incroyable. 3 h 15, j'ai pas du tout vu le temps passer. J'étais complètement happé par le film. Même si le scénario parfois est un petit peu facile, mais bon, je veux dire, c'est voilà quoi, c'est 10 sur 10, c'est un perfect. Voilà. Donc allez le voir, c'est super. Et puis vous verrez en fait comment les guérisseuses Na'vi, pardon, traitent les gens avec ce qui pourrait ressembler à de l'acupuncture. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Voilà. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps à moi cette semaine. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait une petite journée de cabinet aujourd'hui, mais voilà, c'est les fêtes, etc. Donc voilà, c'était pas, comment dire, j'ai pas vraiment cherché d'invité pour cette séance. Et j'ai pas eu non plus beaucoup de questions. Alors j'en ai quand même eu deux, trois. Et j'en ai eu deux sur l'acupuncture de Maître Tung. Alors je vais peut-être commencer par ça. Donc on m'a demandé si effectivement, en fait, chez Maître Tung, il y avait une façon rationnelle et compréhensible d'aller sélectionner les points à traiter suite bien sûr à un éventuel diagnostic différentiel. Bon, d'accord, okay. Alors c'est vrai que lorsqu'on. C'est une vraie question. Et par exemple, Yung Wei-Che, quand il enseigne, ou même Wang Chun-min, qui sont deux élèves directs hein, de Maître Tung, sont chacun en fait dans leur propre système de compréhension en fait, de l'acupuncture de leur maître. Et comment vous dire? On a du mal à réconcilier en fait les deux approches. Le premier en fait est je dirais 80% du temps en fait est sur une explication de type ouverture pivot fermeture en fait voilà c'est-à-dire que donc ce qu'on appelle Zhang Fu Pieton bon qui n'est pas je dirais en fait une théorie de Yung Wei-Chi, hein. Elle a été, je dirais, bon, elle est mentionnée dans le Huang Yinan Jing, mais elle a surtout été exposée en fait dans un ouvrage du 18e, je crois, dont j'ai perdu le nom. Et donc elle consiste à traiter, par exemple, en tout cas les méridiens en fait de même ou les bassins versants, on va dire maintenant, de même. Mode opératoire, okay, de même mouvement, de même dynamique. Par exemple, traiter les deux mouvements de fermeture, donc Chuyin Yangming, en conservant le rapport au bas, c'est-à-dire de traiter par exemple avec le Shu Yangming, le Zhu Juyin, et de réaliser dans vos traitements bah, des combinaisons Ji, Ji et Fois. Bon, c'est très bien, c'est joli, ça marche pour pas mal de trucs, sauf que quand on prend le Wesh 73 et qu'on s'intéresse en fait à la notion de zone de réaction, de changing, on s'aperçoit en fait que ça ne marche pas. Voilà. Là, ça ne marche pas pour tout. Et donc, ce qu'on souhaite faire, bien sûr, c'est de trouver ce serait éventuellement de trouver en fait une méthode, une méthodologie qui nous permette en fait de remonter la pensée de Maître Tung jusqu'à effectivement, comment dire, un paradigme qui puisse. Coller exactement en fait à ce qu'il y a dans cet ouvrage de 73. Bon, donc les combinaisons utilisées par Yung Wei-Chi, bah, c'est GI fois, c'est estomac péricarde. Donc ça c'est très, je dirais pertinent cliniquement parlant, hein, je ne mets pas ça en doute.
Mais ça ne suffit pas en fait à expliquer, encore une fois, la notion de changing chez Maître Tout. Et pas du tout, en fait, chez Maître Tout. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, donc je disais GI foie, péricarde, estomac, ça c'est les deux mouvements de fermeture, en fait, qui, en fait, en appliquant un bête principe de résonance, en fait, se traitent mutuellement. Voilà. On a deux mouvements de même dynamique de fermeture qui se traitent mutuellement. Les pivots, c'est la même chose. Hein. Vous avez Shao Yang de main, San Jiao qui vient traiter Shao Yin de pied, qui vient traiter les reins. Ça aussi, hein, du point de vue de la physiologie classique, c'est très intéressant comme point de vue, puisque le méridien du San Jiao vient traiter le méridien du rein et vice-versa. De la même façon, on a la vésicule biliaire qui vient traiter le cœur. Et puis, on a aussi les deux mouvements d'ouverture, Tai Yin, Tai Yang, qui viennent se traiter mutuellement, toujours dans cette logique, dans ce rapport entre le haut et le bas. Et donc, on a un Shu Tai Yang qui vient traiter un Zhu Tai Yin, un intestin grêle qui traite la rate, et une vessie qui se traite par le poumon, vous voyez. Alors encore une fois, tout ça c'est très bien, mais c'est insuffisant pour venir expliquer la pensée de Maître Tung. Alors c'est marrant parce que je me demande d'ailleurs pourquoi les gens n'ont pas vu plus tôt. En fait, il y a une autre relation entre les canaux en fait, qui est beaucoup plus pertinente chez Maître Tung et que la plupart des gens semblent avoir négligé dans leur étude de ce style. Et je dirais que c'est la plus fondamentale de toutes les relations qu'on puisse envisager entre les canaux, si on comprend que l'horloge circadienne est vraiment en fait le joyau de la physiologie classique. Et si vous comprenez ce zodiaque humain que sont les 12 vaisseaux principaux représentent en réalité l'essence même en fait de notre médecine. Mais alors vous savez que dans ce zodiaque, il y a une relation qui est fondamentale, c'est la relation d'opposition. C'est la relation à 180 degrés dans le cercle. Ce qui veut dire que du point de vue strict des méridiens, on s'intéressera aux cinq mouvements après, eh bien par exemple, vous avez effectivement hein, toujours ce couplage yin-yang au bas, qui est maintenu, et vous avez par exemple maintenant un gros intestin qui vient traiter le rein, voyez, et vous avez un estomac qui est toujours dans cette relation d'opposition dans le cercle, la même que celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le lien estomac-péricarde. Vous avez le poumon pardon, qui continue à traiter la vessie, vous avez la rate, le pancréas en réalité, j'insiste là-dessus, c'est le pancréas, c'est pas la rate. La rate, c'est le foie de gauche en médecine chinoise. Bon, je ne veux pas parler de ça maintenant, sinon je vais encore digresser de trop et vous n'allez pas suivre. Donc, dans cette logique d'opposition dans le cercle zodiacal humain, qu'est l'horloge circadienne, vous avez cette relation entre le pancréas et le San Jiao, qui est extrêmement pertinente cliniquement parlant, celle-ci. C'est peut-être même la plus fondamentale, j'ai envie de vous dire. Si vous voulez savoir pourquoi, bah, il faut venir à la maison en cours pour comprendre tout ça de façon précise. Vous avez de la même façon, vous avez le foie qui est opposé à l'intestin grêle. Alors voilà, il y a Fabienne qui posait une question qui demandait est-ce que ça marche, entre guillemets, pour traiter l'intestin irritable, le syndrome de Crohn par exemple? La réponse est oui. Oui, on se rend compte en fait que sur Shu Taiyang, vous avez un point qui s'appelle Ganmen. Ganmen, c'est la porte du foie. Et donc, il est tout à fait pertinent de traiter, bah, par exemple, comme combinaison de points, dans ce genre de situation, bah, par exemple, lors des points feu, avec un tropisme feu, c'est-à-dire qu'il y aura un intestin grêle sur le méridien du foie, et puis sur le méridien intestin grêle, traiter des points qui sont ce tropisme foie. Donc, par exemple, Huoying Huozhu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est x2, x3 chez Maître Tung et associé en fait sur le bras des points de l'intestin grêle. Et par exemple, Changmen, Ganmen, voilà, ça serait un choix judicieux de faire ça. Voyez. Ça fait un traitement à quatre points, voyez, unilatéral, croisé, et tout va bien. Donc, je dirais que de mon point de vue, en tout cas, cette opposition dans le cercle à 180 degrés, en fait, elle joue vraiment un rôle majeur. Elle est plus présente que toutes les autres. Si on décide de s'intéresser en fait à cette médecine de Maître Tung, cette approche de Maître Tung, on va dire pour l'instant que du point de vue de la dynamique des vaisseaux. Parce qu'en réalité, il y en a une autre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les élèves de Maître Tung n'étaient pas forcément tous d'accord avec
entre eux. Parce qu'effectivement, la notion de changing, elle est intimement liée à la notion de direction thérapeutique. La notion, en fait, de... socio, donc, alors, essentiellement au Wu-Xing. C'est-à-dire que, de mon point de vue, en tout cas, si on comprend, à nouveau, hein, si on comprend le modèle du Huang Yinajing, si on comprend, en fait, comment la dynamique du 5, la dynamique kinaire du ciel profond, s'harmonise avec, ou se retrouve, en réalité, ou... ou s'utilise dans la logique sénaire du 6 du système méridien, à ce moment-là, on sait pratiquer l'acupuncture de Maître Toum. Oui. Donc, alors ça, je dirais, c'est 80% du travail qu'il y a à réaliser. Je vous guide là-dedans si vous venez en cours avec moi, bien sûr. Et puis, il y a deux, trois autres petites choses qu'il faut connaître. Il faut s'intéresser à l'astrologie pour comprendre l'acupuncture de Maître Toum. Et pas l'astrologie chinoise, c'est ça qui est un petit peu intéressant. Enfin, pas le Pazhe, par exemple, voilà. Une autre forme d'astrologie qui est proche, en fait, de l'astrologie occidentale. Et si vous faites ça, en fait, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour comprendre la pensée du maître. Voyez. Voilà. Donc, de son côté, le docteur Wang, par exemple, lui, insiste beaucoup, en fait, justement, sur cette notion de changing dans son enseignement. Et bien sûr... donc, si avant de traiter, on doit différencier, eh bien on doit s'intéresser en fait d'une part, hein, en ce qui concerne le 6, à la symptomatologie des vaisseaux, et en ce qui concerne le 5, eh bien, à la symptomatologie des Zhangfu. Voilà. Et la symptomatologie dont je parle, en fait, c'est pas celle de l'MTC. C'est pour ça que dans l'ouvrage 73, dans la préface, il est clairement écrit que. L'acupuncture de Maître Toum, en fait, n'est pas, en fait, correspond pas, en fait, au paradigme le plus courant, c'est-à-dire celui de la MTC. Ce que moi j'ajoute, en fait, c'est que, bah, bien évidemment, puisque le paradigme actuel, en fait, dans lequel on travaille tous, ne correspond pas, en fait, à la vision originelle, en fait, du Neijing, de l'acupuncture, alors que l'acupuncture de Maître Toum est plus près, elle, de ce paradigme. Voyez, c'est presque une forme. Alors, c'est pas l'acupuncture du Neijing, hein, pour différentes raisons. Mais en tout cas, la façon d'envisager les traitements, de les organiser, en fait, elle est très très proche de ce qu'on fait dans le Huang Yinajing. Voilà. Donc en termes de différenciation, il va falloir s'intéresser encore une fois aux méthodes de différenciation des canaux, des bassins versants, des vaisseaux principaux. Et puis il va falloir aussi, par exemple, être au courant un petit peu du chapitre 22 de Souwen et du chapitre 8 du Ling Shu, etc., pour pouvoir également avancer en fait sur la différenciation par la dynamique des cinq zhang, des cinq dépositaires, des wu kang, des cinq organes de trésor. Voyez, voilà. Et donc la vraie difficulté chez Maître Toum, c'est d'avoir suffisamment de culture classique pour pouvoir. Alors il y a plusieurs difficultés en fait. La première, c'est que souvent en fait le nom des points sont des faux amis, c'est-à-dire que si vous vous arrêtez, par exemple, je pense à la logique de Ling ou Tapai, par exemple, ou Zhongpai, ou Xiapai. Si vous pensez que Pai, ça veut dire blanc, parce que c'est un... Ça, hein, tout le monde sait, Pai, ça veut dire blanc. Et je vous dirai pas ce que ça signifie ici, il faudra venir en cours, encore une fois, pour que, voilà, pour que je vous en parle. En fait, si vous vous arrêtez en fait, à la première lecture, en fait, hein, si vous n'avez pas la culture suffisante, et notamment la culture classique suffisante, ben vous allez tous penser que tous les points Pai, en fait, traitent le poumon, quoi, parce que c'est blanc. C'est le métal. Bon, et c'est pas vrai. Il y a quelque chose de bien plus important derrière, de bien plus fondamental. Donc ça, c'est la première difficulté. C'est-à-dire que parfois, encore une fois, pour aborder cette médecine, ce style particulier qui est celui de Maître Toum, il faut, je dirais, beaucoup de connaissances. Voilà. Il faut une connaissance, bien sûr, je pense, de mon point de vue, approfondie du Neijing. Mais pas que. Voilà. Il va falloir aussi aller loucher du côté d'autres disciplines pour vraiment comprendre de quoi il est question. Et si vous êtes. Donc, ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, encore une fois, c'est que la plupart des gens que je connais, même des experts, ils ont beau être de très bons praticiens. Parfois, il y a ce manque, en fait, de vision concernant justement cette intégration du 5 et du 6. Voyez. La plupart du temps, en fait, on passe par les Yunqi, par les Wuyun Yunqi pour la faire,
Or, elle existe à bien d'autres niveaux, cette intégration. Je dirais le niveau le plus courant, le plus évident, c'est celui que vous trouvez en fait, que vous avez étudié en MTC première année, quand vous avez commencé à étudier les méridiens. Vous avez étudié les zones penchu, les zones racinaires appendiculaires de transport. Et vous savez que ces zones penchu, elles ont une influence sur la dynamique des wuzhang dans le corps. Voilà. Et bien, c'est la même chose chez Maître Tung. Hein. Vous avez cette idée qui est, je dirais, exploitée davantage. Mais c'est la même. C'est exactement la même. C'est-à-dire que pour comprendre en réalité comment Maître Tung travaille, il va falloir comprendre ce qui a servi à construire cette logique, hein, des points de transport appendiculaires. Et si vous malheureusement vous lisez le Nanxing, vous êtes à l'ouest, ça ne marche pas. Voilà, il y a quelque chose en fait qui ne fonctionne pas. Donc, je l'ai déjà dit, hein, dans cet espace, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette petite chaîne, sans prétention, ben voilà, il y avait peut-être un problème en fait avec la vision du Nanxing. En tout cas, si on souhaitait se conformer strictement à la vision originelle de Huangdi Nanxing. Oui. Encore une fois, c'est pas mal, mais c'est que tant qu'on peut améliorer les choses, en fait, tant qu'on peut devenir de plus en plus efficace, ben on prend quoi. Enfin, on écoute en tout cas le discours de la personne qui suggère une amélioration. Et croyez-moi, dans le Nanxing, il y a des choses vraiment à creuser. Voilà. Et c'est un euphémisme ce que je viens de dire. Donc à propos de classique, on m'a raconté. Alors j'ai fait un petit papier sur. J'ai fait un assez long papier même. Post sur Facebook concernant le Huangdi Weijing. Parce qu'il y a des petits malins qui pensent qu'en écrivant qu'ils étudient le Huangdi Weijing dans leur formation, en fait, ça va leur attirer du monde. C'est ça la stratégie de marketing. Bon, déjà, il faut s'entendre sur. Sur ce qu'est le Huangdi Neijing, avant d'aller loucher vers un complément, s'il en est, si vraiment il y a besoin d'ajouter des choses au Huangdi Neijing. De mon point de vue, je réfléchis pour pas être trop vindicatif. Alors, s'il y a des éclairages à faire, c'est pas. Tiens, là, le chat. C'est pas en. Je dirais, c'est pas en. En ajoutant de la complexité à l'existant, c'est plutôt en donnant des clés simples, qui permettraient justement déjà d'éclaircir en fait l'ouvrage de référence né, dont on se sert tous, mais sans le connaître. C'est ça un petit peu le gag. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ose dire que. Parce que c'est la réalité. Vous voyez, oublions le Nanxing un instant, mais prenons un autre livre classique. Hein. Prenons, je ne sais pas, la Bible, prenons la Torah, prenons le Coran, prenons, peu importe le bouquin qu'on souhaite étudier, du moins, du moment que c'est un livre de référence qui est censé, je dirais, contenir en fait l'essence d'une tradition spirituelle qui plus est. Donc. Systématiquement, en fait, la première lecture, celle qu'on fait quand on est enfant, c'est ça dont il est question. Hein. On est souvent initié en étant jeune, en étant enfant. Cette première lecture, elle est toujours au premier degré. C'est normal, vous êtes des enfants. Et en grandissant, eh bien, il y a quelqu'un qui est là pour commencer à vous expliquer qu'il y a d'autres niveaux de lecture. Et on passe à l'adolescence et on aborde en fait le même texte avec un nouveau point de vue, plus mature. Voilà. Et puis on continue à grandir et à ce moment-là, on reçoit une nouvelle initiation, un nouveau, je dirais, décodage du même texte. Et là, on comprend que, ben voilà, il y a bien plus derrière le texte que ce qu'on pouvait imaginer étant enfant. Oui. Donc c'est un petit peu ça d'ailleurs qui a sur Avatar 2. Je pense que c'est un film qu'il faut revoir au moins deux fois, voire trois. Même si c'est 3 heures, ça vaut. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses cachées dans ce film. Moi, j'ai noté deux, trois trucs assez intéressants. Bon, peut-être je reparlerai après. Il y a une chose qui est très très intéressante dans ce film, c'est qu'il y a, je pense en fait qu'il y a, je dirais,
comment dire, il y a quelque chose concernant le travail en chimique, hein, en fait. Voilà, mais bon, j'en parlerai après, je finis avec les textes canoniques et les différents niveaux de lecture. On dit dans certaines traditions, en fait, qu'il peut y avoir jusqu'à 4 niveaux de lecture du même texte. Hein. Donc comment est-ce qu'on fait en général? Ben d'abord, en fait, il n'y a pas le choix, en fait, c'est la répétition qui va vous intéresser. On va... Alors si on a la chance de parler la langue dans laquelle l'ouvrage est écrit, eh bien en fait, on va écouter. Donc déjà, on va s'intéresser aux mots, à l'histoire, etc. On va être captivé en fait par le scénario. Au passage, souvent le scénario en fait est très très dur. C'est-à-dire que si on prend les choses au pied de la lettre, c'est tout le temps, parfois même un peu terrible ce qu'on nous raconte. Bon. Et puis, bah oui, c'est un petit peu choquant, c'est même presque rébarbatif. Voyez, on ne veut pas y aller. Alors ça, c'est justement pour décourager en fait les gens qui, je veux dire, qui sont pas destinés finalement à recevoir cet enseignement. Voyez. Donc il y a une espèce d'épouvantail en fait, vous voyez, à la porte du sanctuaire et puis qui vous dit, non, bah, c'est horrible ce qui va se passer ici. Il y a plein de textes de la Bible, par exemple, hein, surtout de l'Ancien Testament, qui sont un peu construits comme ça. Vous voyez. Donc il y a voilà, cette première. Si vous appartenez pas à la culture en fait, dont il est question, hein, à cette tradition, ben vous êtes a priori repoussé, sauf si vous êtes de nature curieuse. Bon. Et que vous imaginez que derrière ce texte, a priori un petit peu difficile, il y a autre chose. Bon. Et puis. Bah en fait, faut pas se voiler la face, c'est-à-dire que la deuxième, puis la troisième et la quatrième lecture ne sera possible lorsque vous serez uniquement que lorsque vous serez finalement suffisamment mûr, en fait mature, apte à comprendre de quoi il est question. Voyez. Fut une époque lointaine où je commençais à enseigner au sein d'une école de médecine chinoise. Et puis bon, à l'époque, Robert Xu était mon maître. Je prenais beaucoup de conseils de lui. Voilà. Et un jour, je lui explique comment j'enseigne. Je lui explique voilà, mon point de vue sur l'astrologie, etc. Alors il m'écoutait avec intérêt. Puis à un moment donné, il m'arrête, il me dit, mais Jean-Sylvain, tu racontes ça à tes élèves de première année en MTC? Je lui dis, ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est facile à comprendre, tout le monde, c'est, il suffit d'expliquer. Puis il me regarde avec des yeux comme ça, puis il me dit, ben Jean-Sylvain, non. Non, non, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tout le monde va être frustré. Eux, ils vont être frustrés de ne pas comprendre ce que tu racontes et toi, tu vas être frustré en fait, de ne pas transmettre ce que tu as envie de transmettre. Donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois, en fait, tu dois transmettre ce qu'ils sont venus chercher d'abord, c'est-à-dire une approche simpliste en fait, de la médecine chinoise. Et puis bah, parmi, je ne sais pas, on va dire les 100 personnes qu'il y a là, il y en a peut-être un petit groupe de 10, okay, voire moins de 5 personnes. Qui seront un jour, je dirais, intéressés par par cette approche plus subtile. Voilà. Et alors, j'aurais dû l'écouter. Oui, j'aurais dû l'écouter, parce qu'évidemment, je dis oui, et puis comment ça, le gamin, j'ai continué à faire à ma tête. Et en fait, c'est bien sûr qu'il a raison. Voilà. Donc, c'est un petit peu aussi pour ça que peut-être, hein, peut-être, on a souvent peut-être l'impression. Si vous me suivez sur Facebook ou ailleurs, que bon, dans ma tête, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a plusieurs personnes, parfois qui parlent en même temps, mais non, en fait, j'ai une vision du monde très très structurée, j'ai quand même pas mal de connaissances, je souris parce que je vois un commentaire, mais je ne sais pas qui parle, c'est très gênant en fait. Alors, quelqu'un qui me dit salut mon ami, donc je sais, ça va être ça là, ou ça, je sais pas qui c'est, mais je sais pas. D'accord, je ne sais pas qui c'est. Qui es-tu? En tout cas, merci. Et donc, oui, donc moi, mon travail, en fait, finalement, c'est de comprendre à qui je m'adresse, en fait, en formation. Vous voyez? Vraiment, quel est le profil, en fait, de l'étudiant qui est en face de moi? Et c'est vraiment un exercice, c'est ça là, ben voilà, j'ai trouvé, tu vois? Voilà, j'avais trouvé. Salut. Et d'ailleurs, celle-là, si tu veux venir causer avec moi maintenant en live, tu peux, hein, la porte est ouverte. Hein. Je t'envoie un lien et puis tu arrives. Hein, d'accord? Te gêne pas. Comme ça, on aura de quoi faire une petite heure comme ça. Sinon, il faut que je continue à broder, à raconter ma vie. Bon.
Et qu'est-ce que je vous disais? Donc voilà, ce qui va faire en fait finalement un bon prof, c'est sa capacité à, donc sa connaissance bien sûr, mais c'est sa capacité à savoir qu'est-ce qu'il a, qui il a en face de lui, quoi. Vous voyez? Par exemple, là, le week-end dernier, j'étais en troisième année là, avec mes petits de Jugong, que je salue au passage s'ils me regardent. Et bon, moi, après, je cache, hein, je leur dis les choses que je pense, et je ne me cache pas. Je suis cash, mais je ne me cache pas. Bon, et j'essaye de reconnaître mes petites erreurs. Et donc, l'idée avec Jugong, c'était de partir, en fait, avec des gens qui n'avaient aucune connaissance en médecine chinoise, enfin, a priori, sauf qu'ils en avaient tous, mais bon, ou pratiquement, et de ne faire que du classique, que le Ling Shu, que le Suwen, hein, que des choses. Voilà. On avait pris ce pari. En fait, initialement, c'est Abel Glaser en fait qui m'avait suggéré ça il y a des années. Et donc c'était le pari en fait de partir de zéro et puis d'amener les gens en 3 ans, voilà, à une belle compréhension du système. Alors, on ne fait pas bien sûr d'experts en 3 ans, mais surtout pas de praticiens en 3 ans. Mais on peut déjà les amener à une belle maîtrise des thématiques classiques, je pense en tout cas. Oui. Donc, ce qui nous a amené à faire en première année les Yunxi tout de suite, premier cours. Et puis, bah, j'avais déjà raconté cette histoire-là. Voilà. Et donc, en fait, et ça passe bien. C'est-à-dire que, bon, c'est un petit peu un télo, mais si on raconte l'histoire correctement, bah, les gens savent s'en servir ensuite. Oui. Donc, l'erreur, c'est. Comment dire? L'erreur, c'est souvent, en formation, en fait, d'être plus dans un mode conférencier, oui. Comment dire, penser que les gens qui sont en face de vous peuvent recevoir le même discours que votre discours interne. Bon, ça c'est une erreur que j'ai souvent en fait. Alors je vais pas me flageller, mais voilà, je tends à la corriger. Donc oui, y a du niveau, mais il n'y a rien d'insurmontable. Voilà. Encore une fois, il faut de la patience, de la dédication, voilà, il faut prendre le temps d'étudier. Hein, voilà. Et donc c'est pour ça que, pour en revenir à la compréhension des classiques, il faut parfois en fait plusieurs années de maturation. Il faut parfois même presque parfois, hein, quand je dis des années, ça peut être jusqu'à 20 ans d'études, ou plus. Ça peut être moins aussi. Si vous êtes bien accompagné, ça peut être moins. Bah pour arriver à comprendre vraiment l'essence des textes. Ouais. Et quand ça arrive, en fait, à chaque fois qu'on passe dans un niveau de compréhension supérieur, c'est toujours une grande aventure. C'est toujours quelque chose de très émouvant. Ce qui me fait d'ailleurs rebondir sur le fait que bah peut-être que parfois, en fait, il ne faut pas tout raconter. Parce que si vous racontez tout, si vous prémâchez le travail systématiquement à vos étudiants, bah, en fait, quelque part, vous risquez en fait de les couper de la découverte personnelle, hein, celle qui vient par le travail. Ouais. Donc voilà, donc il y a toujours cette question. Ça, c'est une autre difficulté d'enseignement. Il y a toujours voilà, ce juste milieu à trouver. Est-ce que je raconte tout ce que je sais ou est-ce que je laisse une partie à explorer? Je pense que c'est plutôt la deuxième option qu'il faut prendre. Donc, pour Maître Tung, par exemple, puisqu'on a commencé par ça, et le Neijing. En fait, de façon tout à fait intéressante, Maître Tung, en fait, c'est exactement, je pense, ce qu'il a fait. Hein? C'est-à-dire que il est connu pour n'avoir laissé aucune trace de sa réflexion clinique, que des indices qui sont là pour ceux qui savent les lire, voilà, finalement. Et je vais aller très loin en disant que ben, même parmi ses élèves proches, il y en a qui savent pas lire. Voilà, qui savent pas lire. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, il est possible de décoder ce système en ayant, je dirais, un petit peu travaillé sur d'autres sujets. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, puisqu'on parle de travail, on m'a posé une autre question donc cette semaine. Comme on parlait d'études initiales, etc., voilà, on m'a demandé quel était l'effort qu'il faudrait éventuellement fournir
si on ouvrait du coup une deuxième promotion quelque part, quel était l'effort à fournir en fait pendant ces années d'études, hein? Quel était le temps, on va dire, hebdomadaire à consacrer à l'étude de la médecine chinoise? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est un job à plein temps. Donc c'est quoi un job à plein temps aujourd'hui? C'est 40 heures par semaine, hein, 35 en France. Et encore. C'est-à-dire que, bon après évidemment, je ne peux pas demander à chacun de mes étudiants de travailler comme moi je le ferais. Mais bon, bah, il suffit de demander aux gens qui me connaissent. Moi, je passe facilement 60 heures, 70 heures par semaine sur la médecine chinoise. Et ces disciplines et d'autres sujets connexes, on va dire. Voyez? Donc oui, après, là-dedans, il faut trouver le temps de bosser, okay, les enfants, la famille, etc. Machin, tout ça, bien sûr. Et tout doit s'organiser. C'est pas tout le temps facile, c'est vrai. Ouais. Donc, une fois, j'avais lu une étude qui disait que pour une heure de présentiel intensif, c'est-à-dire on est en mode, okay, en mode universitaire, là, on est dans nos pupitres, on écoute ce que le gars il raconte au tableau. Il fallait, alors toutes disciplines confondues visiblement, il fallait 4 heures de travail personnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une journée, allez, il y a rarement des journées de 8 heures. Je veux dire, vous êtes complètement attentif en plus, mais ça n'existe pas ça. Mais il n'y a jamais de journée de 8 heures où on fait que de gratter. Mais on va dire, même si vous passez, on va dire, allez, 5 bonnes heures dans la journée à gratter, ben, ça veut dire que, hein, en tant que débutant, vous avez 20 heures de boulot à la maison, quoi, minimum. Mais minimum. Puis là, en fait, c'est que l'aspect intellectuel. Après, il y a la pratique, donc je n'ose même pas parler, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit montage vidéo de deux, trois petites ponctures qu'on a réalisées ce week-end avec mes petits élèves. Donc c'est moi qui poncture tout le temps. Je vous conseille de regarder. C'est pas parce que c'est. Je vous conseille, en toute humilité, je vous conseille de regarder. Parce que moi, j'aime pas trop me regarder en vidéo. Je regarde jamais ces lives, d'ailleurs, je les monte pas. Vous allez, voilà, c'est comme ça, c'est dans la boîte maintenant, puis j'y reviendrai plus. Mais voilà, je me regarde assez peu. Et puis là, comme ces vidéos me les ont envoyées en mode, voilà, plein de petits bouts, etc. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressé, j'ai regardé ce que je faisais. J'ai regardé mon attitude lors de la poncture, j'ai regardé mes mains, j'ai regardé ma. Comment dire Surtout la main gauche, ce qu'elle fait en fait avant la poncture. Et alors, ne souriez pas, je me suis trouvé très bon. Hein, mais j'ai vraiment pris le regard en fait du prof. Voilà, j'étais à la fois j'étais à la fois prof élève. Je m'observais travailler et je pensais que je pouvais pas transmettre ça. C'est-à-dire que cette connaissance, je dirais quasi automatique du corps qui vient par les mains. Comment dire, les mains ont leur propre intelligence. Il y a des choses en fait dans la formation, dans la transmission en fait, qui sont des choses qui passent pas par l'intellect. Ouais. Donc cette intelligence des mains en clinique, on peut vous guider, on peut vous aider à l'approcher, mais voilà, elle ne passe que par une pratique constante. Voilà. Il faut du temps. Alors bien sûr, si vous pratiquez le Qigong, ah, ça va peut-être aller plus vite. Oui. Ou n'importe quelle discipline de mouvement conscient, dès que vous êtes en contact avec vos mouvements internes, vous pouvez aller vite dans cette voie. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans le Huang Dinajing, il y a réellement, hein, trois niveaux de diagnostic qui sont décrits. Il y en a un qui est souvent oublié. Ou alors, non, quand il n'est pas oublié, malheureusement, en fait, dans certains milieux, on ne pense plus qu'à celui-là. Et il a bien sûr, il est connecté à l'intuition. L'intuition, c'est une partie de l'intelligence chez l'être humain. Donc c'est pas quelque chose qui s'oppose à la raison du tout. Et l'intuition, c'est comme tout le reste, en fait, ça se travaille. Et ça se travaille, ça se travaille dans le Neijing. Il y a un espace, j'en parle beaucoup pendant les courses, hein. Je vous explique où c'est décrit dans le Neijing. Et ce que cela permet de faire. Donc il y a un espace, ça veut dire un état en réalité, de pratique qui permet comment dire, d'être dans un état en fait finalement contemplatif
mais pleinement conscient, voyez, pendant la clinique. Et bien sûr, c'est ce qu'on travaille en fait par différentes techniques de méditation, alors qu'elles soient dynamiques ou qu'elles soient assises ou qu'elles soient guidées ou peu importe. Mais voilà, ce travail existe dans le Hwang Energy. Donc il ne s'agit pas que d'apprendre la symptomatologie des vaisseaux, par cœur, etc., des angles. Il ne s'agit pas que de maîtriser la palpation et comment dire, la localisation des points et les techniques d'aiguille. Il y a, je dirais, autre chose qui doit accompagner tout ça. Voilà, très important, très très important. Comment dire, c'est proprement décrit dans le Neijing. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Je ne sais plus. J'ai zappé, je vais aller voir sur Facebook. Ça, je vous en ai parlé. Ouais, le wedging, bon, je ne vais même pas en parler. Bon, déjà pour commencer, si je vais quand même dire deux mots de ça. Le Huangdi Wedging. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, wedging? Je vous disais que j'avais posté un truc sur Facebook sur le sujet. Bon, avant de parler du Waijing, vous comprenez que l'être humain, il est comme un enfant de 4 ans, c'est-à-dire qu'il aime tout ce qui est nouveau. Donc, si vous voulez vendre de la formation, vous n'avez qu'à prétendre, vous n'avez qu'à dire que vous faites un truc qui n'a jamais été fait avant, qui est nouveau, etc. Une fois, une petite histoire. Une fois, j'étais à Milan, j'étais en formation chez Thomas Myers. Bon, oui, le grand pape du fascia. Et j'étais le seul acupuncteur parmi une cinquantaine d'étudiants. Il n'y avait que des ostéos kinés. Donc c'était plutôt pas mal. Mais le seul petit truc désagréable qu'il y avait, c'est que bah, c'était un petit peu les marchands du temple quoi, qui circulent en permanence dans cette formation. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, donc, dans le monde de la kinésithérapie, hein, et de l'ostéo qui venaient fourguer leurs méthodes ou leurs outils. Et donc, j'avais été effaré de voir que, y a des gens qui venaient proposer des méthodes de gua sha, en fait, mais qui étaient labellisées, qui étaient devenues des méthodes copyrightées, etc. Machin, voilà. Bon, avec bien sûr des gua sha hyper design, des choses qui. Voilà, bon, okay. Et bien sûr, voilà, ça marchait, quoi, les gens étaient intéressés. Donc, le packaging, le formatage, hein, la présentation, c'est très important quand on fait de la vente. Et moi, malheureusement, je suis assez mauvais. Attends. Bon, il faudrait que je délègue. En fait, généralement, l'authenticité, en fait, ça passe. C'est, voilà, ça paye moins que. Comment je voulais dire, que le commerce, quoi. Enfin, je sais pas ce que je voulais dire, mais vous avez compris. Voilà. Voilà. Donc c'est toujours bien de faire un petit effet d'annonce en disant qu'on a trouvé un secret, qu'il y a un nouveau bouquin sur le pouvoir de l'esprit, du machin, du truc, etc. Ça fait toujours bien. Sauf que concrètement, en fait, en clinique, tu fais quoi? Gros, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? De cabinet. Je voudrais devoir travailler, puis tu m'expliques en fait si vraiment par la lecture en fait de tel ou tel truc, en fait tu deviens un être supérieur et illuminé. Ben, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Voilà. Donc le Huangdi Waijing, pourquoi faire tant que t'as pas complètement décrypté le Huangdi Neijing? Hein, j'aime beaucoup, c'est ce que je vous expliquais dans ce post que j'ai fait là, hier, je crois avant-hier. Dans l'état actuel des connaissances archéologiques, autour de mes connaissances archéologiques, mais j'ai bien cherché sur Internet avant de raconter tout ça, bah c'est qu'il y a des suppositions, il y a des hypothèses, et puis bon, faut pas oublier que le marché du faux en Chine, partout, il est florissant, donc il est fréquent en fait de voir des faux hein, surgir et qu'on l'air de vrai, quoi. Oui, donc moi ce que je peux vous dire, c'est que la seule chose dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est que bah, Wei et Nei différencient en fait sans doute deux parties différentes faites du même texte. Et pas forcément, comment dire, pas forcément en fait au sens où vous l'entendez si vous faites un peu de chinois. Nei, ouais, c'est interne, donc c'est la médecine interne, et Wei, donc on va s'occuper quoi de la partie extérieure, des méridiens, et quoi, qu'est-ce qu'on va faire?
Parce que ouais, c'est extérieur. Bon, en fait, pas du tout. Je pense que, comme je l'écrivais, je pense que ne veut dire antérieur. Ouais, ça veut dire que c'est ce qui est fondamental, ce qui vient avant, c'est l'origine de. Et donc, ensuite, ouais, est une. Alors, soit en fait un développement qui vient plus tard et qui est moins fondamental. Ouais. Bon. Et alors, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'était ça. Donc, voilà, c'est une référence. Et d'autres chinois, d'ailleurs. Voilà, donc c'est pareil, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font des traductions, etc. Voilà. Mais ce n'est pas eux qui sont en cause, en fait. C'est vous, consommateurs de formation, qui devez faire attention où vous mettez les pieds. Je veux dire, même avant de venir éventuellement chez moi, vous devez vous renseigner. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Etc. C'est quoi son discours sur Internet, par exemple? Okay. Qu'est-ce qu'il a comme qualité, ce type? Qu'est-ce qu'il a comme défaut? Et puis si ça résonne avec vous, les qualités, j'entends, ben vous venez. Si ça ne résonne pas, vous venez pas. Voilà, c'est simple. On ne peut pas de toute façon plaire à tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que donc voilà, si demain il y a un nouvel ouvrage qui sort, publié par Liang Chen, par exemple, très bien, ils font un super boulot, ben, tout le monde va se jeter dessus, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je veux dire, c'est bien, mais par exemple, j'ai devant moi, là, j'ai toute la collection des ouvrages publiés par l'équipe d'Abel et de Fred Breton. Et c'est un super boulot, encore une fois. Mais j'entends des fois des trucs, mais. Alors, je suis comme ça, donc je comprends parfaitement, c'est pas une critique ce que je suis en train de faire, mais voilà, c'est qu'il y a un nouveau bouquin qui sort, il y a le Fu Xing qui sort, alors ça, il n'y a plus que ça qui existe. Ça y est, c'est le truc qui va révéler c'est la méthode qui va. Voilà, qui va. Toutes les portes, etc. Non, non. On se calme, on descend, ok. On achète le livre, on le lit, et puis ensuite, voilà, on essaye de comprendre, bien sûr. Et on essaye surtout, en fait, de comprendre à la chinoise, c'est-à-dire, on essaye de comprendre quelle est la filiation, en fait. Pourquoi ce livre il a été écrit? Bon, par qui c'est important? Quel est le contexte? Le contexte historique, on va dire. Et si on peut, encore mieux, intellectuel. Mais bon, pour ça, faut être chinois en général. Il faut avoir une très très belle connaissance en fait de la tradition chinoise et surtout faut être sinologue, quoi. Et puis ensuite, donc si on est correctement, si on a compris en fait ce qu'était la tradition, on essaie de comprendre comment on peut remonter de ce bouquin-là à la racine qui est le Neijing. Voilà comment on fait. Et par exemple, Fu Xingyue. Bon, alors, je vais vous expliquer un petit peu quand même. Je suis tout à fait chaud pour que, Abel, si tu es là, je t'invite, tu me dis, ah, je suis là, je veux t'en parler. Allez, on y va. Vous voyez, ce week-end dernier, chez Jugong, il y avait Nicolas Roulic qui était là, qui parlait d'alimentation, de micronutrition, du microbiote. C'était passionnant ce qu'il nous a raconté. Nico, si vous voulez le voir, il a fait je crois, l'épisode 6 avec moi. On avait bien discuté, etc. Et donc là, voilà, il est venu faire son cours. C'était génial. Moi, j'étais chapeau. Et donc, bien sûr, on a beaucoup parlé de l'usage des saveurs. Voilà, bon, bref, de goût, ouais. Et bien sûr, de la nature des aliments et d'autres choses. Et donc, on a décortiqué une fois de plus le chapitre 22 de Souhem. Bon. Et ensuite, on l'a comparé au Fu Xingyue. On a regardé. Hein, on a un peu initié ce dialogue entre nous. Donc, c'est lui l'expert. Hein. J'apportais un peu deux, trois choses. Et quoi? Et donc, de façon tout à fait évidente, la logique présentée dans le Neijing. Elle existe, il y a une logique géométrique qui est présentée dans le Neijing, hein, voilà, les choses ne sont pas faites au hasard. Eh bien, cette logique, en fait, n'est pas reprise par Tao Longjing, en fait, dans le Fu Xingyue. La pensée, alors l'organisation, en fait, des traitements, etc. Et je dirais sans doute la construction ensuite des formules, elle est différente. Elle suit une belle logique qui lui est propre. Alors que, ça c'est très intéressant, alors que le fond de la pensée clinique, en fait, il est clairement d'inspiration au Huang Dinajing. Clairement. Donc, et vous savez ce que je pense? Je pense qu'en fait, c'est la faute au Nanzing, encore une fois. C'est-à-dire que pour moi, dans la vision que j'ai de cet ouvrage, je me trompe peut-être. Hein. Donc, d'accord, ok, il y a ce lien avec le Shenhanlu, donc ça, c'est normal.
Mais il y a surtout, en fait, dans l'organisation de la pensée pentagonale, en fait, hein, parce que c'est ça, c'est distribuons les saveurs, en fait, selon trois idées, en fait, dans les cinq mouvements. On va parler de saveur tigre, on croit, et puis on va. Voilà. Alors, cette pensée-là, elle est aussi présente dans le nudging, même si elle n'est pas exprimée comme ça, mais elle y est intégralement. C'est indubitable. Mais elle n'est pas organisée géométriquement de la même façon. Je dis bien géométriquement de la même façon. Voilà. Et donc, de façon tout à fait claire, dans la pensée de Tao Longjing, il y a cette nécessité comment dire, d'organiser la pensée en fait strictement du point de vue en fait du kinère. C'est bien, c'est très bien. L'affiliation avec le Shenhanlong, bien sûr, elle est là, et avec le Neijing aussi. Mais il y a l'abandon quand même, okay, du modèle initial. Et je dirais que c'est convaincu, c'est la même chose. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que il y a plusieurs possibilités, hein, il y a plein de réponses possibles. Hein. Soit parce que c'est trop complexe, on n'a pas compris. Soit parce qu'en fait, les textes sont, je dirais, par les gens qui rédigent ces ouvrages, peu disponibles. Ou alors les textes auxquels on a accès sont endommagés, ou il manque des choses. Bref. Cette médecine du Neijing est devenue hermétique, en fait, on ne la comprend plus, ou alors elle est incomplète. Et donc, on essaie de combler le trou, on essaie de proposer, en fait, finalement, une explication à ce qui manque. Ça, c'est sans doute, je dirais, à mon avis, c'est le plus courant. Ou alors, il peut y avoir la volonté, en fait, de faire naître à partir de cette branche, de ce tronc, d'accord, classique, une nouvelle branche. C'est possible. Ça s'appelle la recherche. C'est très bien aussi. Bon, puis il y a d'autres raisons. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir remonter, en fait, c'est de maintenir cette filiation. Voyez, cette notion de lignée, elle est très importante de ce point de vue-là. Voilà. Donc, je pense que c'est la même chose en acupuncture. En acupuncture, si aujourd'hui les différentes formes d'acupuncture qu'on pratique ne sont pas celles du nudging, ben c'est pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, il y a trop finalement d'incertitudes quant à ce que fut cette grande acupuncture. Hein, j'en parle souvent, c'est un sujet qui est devenu un peu, chez moi, un petit peu récurrent. Il faut toujours se rappeler que le Ling Shu, par exemple, le Zhejiang, en fait, le classique de l'aiguille, alors dans son organisation actuelle, son premier chapitre s'intitule 9 aiguilles, 12 yuan. Mais 9 aiguilles, et que la description des 9 aiguilles, on l'a fait en fait trois fois dans le texte, de façon légèrement différente à chaque fois, mais on l'a fait trois fois. Et vous savez quoi? Ben, il n'y a aucun texte médical, même qui date même des Han, en fait, qui témoignent de l'usage de ces 9 aiguilles, je dirais, de façon académique, à la façon du Huang Yinan. Veut dire qu'il y a. OK, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur un héritage médical qui est censé être canonique. Et en fait, personne ne pratique à la façon du canon. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Que ça peut vouloir signifier? Ben, c'est qu'on ne sait pas utiliser le bouquin. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, pas complètement. Et que tout ce qu'on sait faire, finalement, c'est tenter de s'en approcher au plus près. Voyez? Donc, ce gap, ce manquement, en fait, il peut venir de quel type d'événement historique? Hein? Ben, venez au séminaire 1, je vous expliquerai. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs que le séminaire 1, okay, vous pouvez vous inscrire à la formation complète. Et si, après le séminaire 1, vous n'êtes pas convaincu, vous voulez, vous dites non, Jean-Sylvain, ça ne m'intéresse pas ton discours, mais je vous rembourse, vous êtes libre d'aller. Bon, par contre, si vous décidez de rester, c'est jusqu'au bout. Voilà. Comme à chaque fois, j'en profite pour vous dire que ne ratez pas cette opportunité. Je ne sais pas combien de temps je vais le faire, mais il y a d'autres personnes qui parlent du nudging. Ce que je vous raconterai n'a rien à voir avec ce que ces gens racontent. Sans doute très bien ailleurs, mais chez moi, ça sera totalement différent. Vous voyez? On fera de façon détaillée l'étude de ce texte du point de vue de sa véritable symbolique. Hein?
qu'est-ce que c'est, quoi est la question? Bah, on l'étudiera en fait du point de vue de la numérologie, qui est extrêmement importante. Je viens de parler de 9 aiguilles, 12 yuan. Déjà dans le titre, vous avez tout en fait, mais je vais m'arrêter là. On l'étudiera également du point de vue de la géométrie associée à cette numérologie. C'est-à-dire que il est assez facile de comprendre que toute quantité numérique, en fait, peut s'exprimer d'un point de vue géométrique, d'un point de vue graphique. Finalement, la géométrie, en fait, c'est, je dirais, c'est l'expression même, en fait, je dirais, c'est l'expression la plus claire, en fait, du langage, puisqu'on passe par le symbole et plus par par la culture, en fait, bon, par le verbe. On l'étudiera également, cet ouvrage, du point de vue de les théories de l'harmonie musicale, et ça, ce concept-là est extrêmement important également. J'ai proposé cette année pour la première fois au monde en fait, une explication de la construction de l'horloge circadienne, intégralement basée en fait sur des notions de ce type-là, des notions de résonance. Et j'ai proposé à mes élèves ben, en fait, ma version de la construction en fait de la logique attachée au point perpendiculaire. Et ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent en général. Et pourtant, en fait, il y a des choses très solides qui vont dans ce sens-là, en fait, dans le programme d'énergie. Voilà. Donc, c'est ce que je vous raconte en formation, il n'y a pas ailleurs. Voilà, c'est simple. Voilà. Il y a surtout. Alors, il peut y avoir des fragments ailleurs. Mais je vous dis la façon d'avoir condensé tout ça, et puis d'avoir fait les liens que j'ai faits, et puis bon, bref. Au final, on a un système qui est extrêmement structuré et qui, en fait, peut s'exprimer clairement. Alors, ça m'a pris des années. Parfois, je n'ai pas forcément été tout le temps clair à chaque instant en formation. Mais voilà, c'est un travail de restauration, donc il est forcément de longue haleine. Et j'ai pas mal avancé, dire, voilà. Puis il y a un dernier aspect qui est vraiment fondamental également, c'est, bah, vous savez, c'est l'astrologie. Je dirais, la plupart des thématiques qui sont exploitées dans le Neijing sont toutes explicables par donc tout ce que je viens de dire, mais également en fait par l'astrologie, et oui, qui est la mère de toutes les sciences, mais qui est aussi bien sûr je dirais, la plus complexe des sciences du quadrivium. Voilà. Donc voilà, donc dans cette étude, il est question non pas de venir étudier chaque chapitre les uns après les autres à la queue de leu, là, voilà, et même si cette étude peut être intéressante. Il est question ici, en fait, de vous expliquer comment ce texte est construit. Et je peux. Et donc, forcément, si vous comprenez comment les choses sont construites, ben vous pouvez vous-même passer à la construction. Vous pouvez adopter, en fait, ensuite en cabinet, je dirais, sur la base de cet enseignement de principe, ben vous pouvez devenir totalement libre, okay, dans votre expression de l'acupuncture. Et il n'est pas question en fait de superposer tous les systèmes. Et vous voyez, c'est pas, je sais pas comment dire. On vient pas dans cette étude juste pour faire ses courses, pour aller prendre un bout de truc par-ci, d'acupuncture abdominale par-là, de Mukaino par-ci, de Tung par-là. Ça n'a pas de sens de faire ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si il y a un socle commun et que vous savez en fait tout intégrer. Si vous savez intégrer en fait l'ensemble de ces méthodes, alors ça a du sens, bien sûr. C'est parfois intéressant d'aller étudier en fait les applications d'une théorie fondamentale. Voilà. Mais ça, c'est ça que je vous enseigne, c'est ça que je vous donne. Voilà. Par exemple, je vois qu'en ce moment, il y a pas mal de cours d'acupuncture abdominale. Bon, après, voilà, les gens s'autoproclament experts en ceci, cela, etc. Je comprends, il y a des impératifs économiques, il faut, puis on sait, puis les gens aiment bien transmettre en général, donc c'est bien. C'est bien que les choses soient enseignées. Mais toutes ces approches basées sur les microsystèmes, la pictographie holographique, encore une fois, si on ne sait pas les rattacher proprement à la tradition du Neijing, alors on fait autre chose que de l'acupuncture. Il faut bien comprendre ça. Vous voyez? C'est important voilà, de pratiquer la rectification des noms, d'appeler un chat un chat. Donc, si vous pratiquez l'acupuncture japonaise, si vous pratiquez l'acupuncture SAM, si vous pratiquez diverses acupunctures, je sais pas, vietnamiennes ou ce que vous voulez, si vous pratiquez du dry needling, oui, horrible,
Non, pas du tout. Si vous pratiquez n'importe quelle forme d'acupuncture, hein, et si on vous a correctement enseigné cette approche, bah, on a forcément fait référence à un moment donné, okay, dans votre étude, au Neijing. Il y a des bonnes raisons à ça. C'est un texte racinaire. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Voilà. Et il n'est pas question d'avoir une vision sacro-sainte du texte et de chérir absolument chaque caractère. Il est question, encore une fois, d'un travail personnel, okay, d'une étude qui va venir vous élever. Élever votre compréhension, alors d'abord, bien sûr, de la médecine chinoise, de la vision du corps de la médecine chinoise, et puis de plein d'autres choses dont je ne développerai pas ce soir. Ouais. Donc c'est ça le but. C'est d'entrer dans ce travail d'alchimique, en fait, de transformation, qui fait de vous de meilleurs praticiens. Voilà. Bon, quelle heure est-il? Il a déjà, bah, j'ai fait 1 heure, incroyable, j'ai fait 1 heure tout seul. J'ai pas vu le temps passer. Donc si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant bombardé, parce que je vais pas tarder à rendre l'antenne. Je regarde si sur Facebook, il n'y a rien eu. Toc, 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 toc. Eh ben, je crois pas, je vois pas en tout cas. Bon, voyons voir sur YouTube s'il y a eu des choses. Bon, non. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez tous passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vais faire mon padré là, avant de vous quitter. Il faut se rappeler que cette période de l'année, normalement, en fait, hein, est une période d'introspection, de mise au repos, et de mise au repos en particulier en fait du système digestif. Eh oui. Donc, ben, bonne dindon marron, bon foie gras. Non. Bon, je ne vais pas en dire, vous m'avez compris. Le plus important, c'est d'être ensemble avec les gens que vous aimez et puis de passer du bon temps lors de ces fêtes de Noël et de ce solstice d'hiver, voilà, qui j'espère nous amènera de profondes transformations pour l'année, de bonnes pour l'année qui vient. Voilà. La semaine prochaine, pas de live, c'est les vacances. Je pense que je reprendrai la semaine d'après avec, j'espère, un invité. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt.